Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamu. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Allez, Mbotena Bidon, Balandia Boussolo Télévision pour la deuxième partie. Merci encore une fois pour la confiance, pour la fidélité. Bozolo Mbate, Coupé Salabo Solo TV, la seule chaîne au cœur des investigations. Nous avons la noble responsabilité à vous présenter, Binon, cette deuxième partie de l'émission. Mais avant de recevoir l'invité, messieurs et dames, voici pour vous les informations du jour. Jean-Pierre Bemba Aoutikoko Masikaboy Aoutikoko Managoma, après deux mois en nomination na Jean-Pierre Bemba Aoutikoko Lubumbashi Aoutikoko Magoma, pardon, Lubumbashi, la ville est devenue invivable suite à l'insécurité, dénonce la sénatrice Francine Muyumba. C'est qu'il charge le gouvernement à mettre de moyens nécessaires à la disposition de la Fédération congolaise du basketball sur fauteuil. Programme des 145 territoires à Kasenga. Samalukonde s'est dit satisfait de la fin des travaux de reconstruction, des infrastructures. Béni, l'armée dit avoir tué plus de 900 ADF depuis l'instauration de l'état de siège. Congo Gold va lancer les activités du traitement d'or en RDC 2 juillet prochain. Monsieur Fulgence Moteba dénonce l'abîme entre le train de vie insolent des politiques et celui du peuple. Kinshasa, Salomon Kalonda transféré à la prison militaire d'Endolo. Affirmation des Matata sur un salaire de 2 500 $ laissé aux professeurs. C'est vraiment un gros mensonge et même une injure pour le corps et à ma professeure. Élection, Claude Balanqui lance un regroupement politique pour donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Transport, Félix Tshisekedi inaugure une usine de montage des autobus Mercedes à Kinshasa. L'entreprise Strategos Mining du groupe Banros s'apprête à relancer ses activités au Maniema. Samalukonde est invité à accélérer la mise en œuvre du plan d'urgence du climat des affaires. Au moins 41 déplacés tués par des miliciens Codeco dans un site à Djougou, le chef coutumier qui a livré cette information. Sécurité, avant-dernière information. Jean-Pierre Bemba, je confirme qu'il vient d'arriver. Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, la délégation syndicale dénonce les irrégularités dans la gestion opaque du directeur général Aichelo Mazombo. Allez, on va prendre deuxième partie. Pour la Bino, pour la première fois. Toza Koyamba, Ndeko Koko, Ngongolo Ilombe. Voilà, bien, on est absent vraiment. Oui, oui. Coco Ngongolo Ilombe. Azali, expert en matière douanière et traçabilité des substances minières. Allez, Mbote Boye Boulam. Mbote Ndeko Sango Mokonzi. La CPL Koyambole Lomba Liboso. L'isolé Zaki Pembeni, mais l'élo est commis Penza réalité. Oui. Boni témoignage, non, pour la Bosolo TV, pour la Bosolo, la politique. Témoigne pour na bosolo po yo mokoza moto na bosolo yango na bazako landa yo parce que bosolo ndi yango na tambu sa mokili ndi sansé ezali po yo oza bosolo ndi yango tozo na tsika bosolo ezali oza moto équateur mongo oza mongo peza équateur binonde bo bébé si bato ya ya yimbo. Ah non mais bato ya yimbo ba ufunda bino alobi ke basio ya yimbo yo bandeko na biso ba pigme ba bino mais ba mongo
bakoyaka wa ko botisa ka biso pe bazo a charge te bake omoni pro wana na yeri ko équateur ezali équateur ezali ba territoire ebele wa wa ngaza territoire bolomba ayo za bolomba na territoire pe ya bolomba ngai na mboka na ngai ya bakoko na ngai ba pigme pe bazali okay me bazala matrete bazama matrete te et puis na tangi na école école protestante ya mission ya bolenge okay on a même des préfets des directeurs d'école ba bazaki ba topé bon tobini pigme ka pa na te bon mais bazaba ba premier citoyen si ba premier citoyen ba premier citoyen donc to tangi na bango na ba na bango discrimination ezate mais sika famille pe ezali mbe ba pe ezanga raté mais on s'attire tout bon man raté bango bazaki na catégorie na bango akukata elanga na ye aye akate lui elanga oyepi opesie elamba opesie pe mo eloko mais avec ndenge mukiza ko évoluer je pense pas que mara mwana il faut pas ça soubumbu ala non oloka kimongo ne oloka kimongo kitoko na kimongo kitoko ba tire me pe belé ah très bien voilà la sepeli po moto musa zo tuna nga bendeni yoko e ba kimongo neni yoko e ba chiluba neni yoko e ba kikongo e ba swali mais ezande minoko na biso ah ben oui ogo e ba lotomba ogo e ba mongo kingwandi ezo ya biso nga ba na katanga mingi alors na ba na Tanzanie una sema swali Pole. Alors, mabiso zaka kilogiloko. Engongolo ilombe. Allez, moto ya monio mbala liboso na télévision. Ou ya ibiote. Soke sengeli ya kanga tina na yo ya iboza nani. Okomi lobele oza nani. Ok, pwa kanga ngayi na télévision, na cadre professionnel, na za déclara en douane. Ok. Donc, na ibi matière ya importation, exportation na mise en consommation. Très bien. Na la ki pe président ya ba déclarer en douane en 2019. Très bien. Na défendaka ba importateur l'état na profession. Très bien. Parce que ba ngonyo so misa tonde mboka etambolaka. Alors c'est qu'ape mbeba ezali il faut ko bimisa mbeba pona ba konzi ba yoka pona ko bongisa. Très bien. Alors so mola ki na 2009 muta formataka grève ya 40 jours na fret aérien ki biva ke etika ko sa contrôle à l'arrivée. Izaki biso pendant binga ite izaki biso alors natango wana ministre futa tango to sali memorandum ayoko créer commission atina disposition ya biso mais c'est pay na madame Odia on a démontré noir sur blanc ba faille ya bivac hier avec un clientaire mais là dit plus question que bivac fasse le contrôle à l'arrivée après ayoko instaurer CTC une société américaine mais de droit français. Il y a un travail à peu près similaire. Mais il n'y a pas à alourdir le fonctionnement de la douane et puis qu'il y a sa charge et pas importateur. Alors, il y a une société américaine, mais de droit français. Il y a un peu de temps où il y a un frais de fonctionnement de 7 millions de dollars. Alors, il y a un déclaré de l'OCO, il y a augmenté ce qu'il y a de valeur pour avoir une rémunération auprès de l'OCC. Et on a fomenté des grèves, j'ai passé même aux émissions. Minde ya na bakenda en cascade. Donc ngai je suis quelqu'un oyo tolingi mboka yetambula. Très bien. Nabenga kio parce que na moni ba douanier mikolo yo awa mo akolela lela. Surtout na matadi bato baki pe na grève. Et puis biso yo ba entrepreneur o tuzo utalibanda to ba diaspora ba kongolo bakenda. So bazoka na ba ko sa musala wa atande mo konza mboka bengisa bango bazonga. Mingi bazole la kaba bidwane leki likolo. Dokolo balika mbwango. Me, na yo kaka penza mingi, tolo baka mingi porosite ya ba frontiere, fraude douanière eza makasi. Surtout na mboka na biso. Et que l'Etat, azo se concentre peut-être ka na oya eza minimum, nde azo kotisa. Me ya ebelo ezo echappe na l'Etat moto ye barate. Tango la kenda yi kasumbalesa, presyo la kisanga ba image ya kasumbalesa. Na kenai ko tala ba fenomen bilanganga moko na kota kiti na Zambie na tala ndenge biloko ezo kota ndenge biloko ezo ken biloko ya motuya l'etat ko tuta ko so azo tia penza misote ba olandaka bato ba oteka ka ba sukali ba mapa menzoka milioni ya ebele ezo bimaka mikonyonso e pa ya bato na bengi oloko l'expert po yo expliquer biso ndenge nini fraude miniere salamaka ceux douanier pardon et ça marque en République démocratique du Congo fraude douanier réseau ça ma ndenge nini na Congo
pesanga penza ba moyenyo so ata moto akoyiko yebate fungola ba kondi miso mm-hmm. fungola population miso fungola biso pe ba pandisango miso mm-hmm. pote moto na moto yebage so ba landi nzela na yo mm-hmm. loko la kongola lingi mboka likambo eko kenda liboso mm-hmm. malobeze pa nayo ok omoni nga na zo sala wa ezo kwa jubilé mm-hmm. leo na za na 62 ans très bien ça veut dire que na za tu na taya ko sala emulation te ou bien te pona zo misa na umela mm-hmm. na zo kwa pensionné alors ngai na sala musa depuis 84 mm-hmm. Ça veut dire na yebi yango fond. Mm. Et ce moment là qui na tango ya premier ministre ma tata mponyo. Mm. Na salaka un memorandum. Mm. Et le travail ezwangai une année ya ba recherche. Mm. Na memorandum wana ya boutisa ki na mission sur la fraude douanière. Mm. Oyo ngana kende ki pe na mission na katanga comme expert à gouvernement. Mm. 6 jours ya pamba. Manka gagné à ko recouvrer na l'état ça qui ça et 8 millions de dollars. Mm. Tout ça rapport de mission. Bah ça est le cognoso mais n'a pas sans frater ça ne sert à rien il y a bloqué à mukili tobuite tobika na yango au moment que na yebi na za objectif qu'appelle t on la fraude douanière étape ya liboso ya fraude douanière pour fraude douanière ils en a deux aspects ils en aspect sécuritaire ils appellent l'aspect économique généralement faut donner ça mandé nini biloko o ils a importé ils a té biloko ils a déclaré. Parce que on monte dans un pays exportateur, où va trouver son biloko. Va trouver son biloko. Monsieur Isaac Oleka, dans un pays de transit, local la Tanzanie, local la Kenya, local la Afrique du Sud, Isaac Oya Nzela. Mettons le biloko en Isaac Oya, bah document à l'importation. Ça veut dire lettre de transport, liste de colisage, na facture, na bah donnée à importateur. Ils ont consigné le document. Wana. Tant que comme na na pays loko la Tanzanie, loko la Mombasa, loko l'Afrique du Sud, va pour établir ce qu'on appelle une déclaration de transit IM8. Cette déclaration de transit est composée par renseignement nyonso sur l'importation. Mais va pour marquer que nous biloko oyo, va pour marquer la frontière biloko ne kokende ko côté là. C'est ce document va consigner on va consigner la POD. Ça veut dire que le document d'accompagnement. Ça va passer par un poste nyonso ya contrôle. Un poste nyonso ya contrôle. Et le qui a va contrôler, il y a un RDC, il y a un Tanzanie, il y a une frontière ya Congo, ya Tanzanie, na Zambie. Ça veut dire que le na frontière, poste douanier, il y a désignation, il y a marchandise. Mais la douane congolaise, qu'est-ce qui va passer à l'ornine? Parce que information réelle va prendre en charge parce qu'il faut pas donner des manifestes. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe avant que la douane congolaise ne prenne en charge va donner où il y a qu'une marchandise bas un mécanisme naba parce que tant au bilan qu'on est lié bas document lié ce que on a la frontière à Kasumbalé ça douane ya Tanzanie ba ko poser caché chauffeur aké na biloko wana ba document na douane ya Congo ba tché ba caché ya remise reprise non le chauffeur va rentrer maintenant na ba poste akéné ke biloko na même ki na RDC et ko ti belle bien na RDC mais la douane doit prendre en charge biloko wana la prise en charge enregistrer ba donner na système et pour étambola partout na réseau mais on fait parce que ça a changement ya ba donné avant la prise en charge. Changement ya ko identité importateur, pays de provenance, dénaturation à marchandises, sous-évaluation. Vous avez vu que ça a une valeur ya 500 000 dollars, mais comme une valeur ya 20 000. On change les données avant la prise en charge. Vous voyez qu'il y a une combo ya sango, mais comme une combo ya X. Alors, maintenant, quel est le lien? Et ça, m'a dit, pour ne pas générer manifeste, il titre, na titre de transport. Alors, dans le changement, là, on ne touche pas les titres de transport. Regardez même les BL, mais va changer, va donner un son, va combo. Va titre, en gros. Mais tant que douane à Congo, à Zora Biloko, on a pris en charge, ça a un contrôle documentaire. Et quand il faut le contrôle documentaire, mais ils acceptent parce que tout le monde se retrouve. Bazu ba donné erroné ba côté sinasystème.
ba vraies données et décalé les bandes. Mais dans un pays où il y a des transitants, les vraies données demeurent là-bas. Va changer le combo, va changer la nature de la marchandise, va dénaturer la marchandise, va dévaluer la marchandise, et l'État, ça, vous avez entre 1 et 10%, il y a ma recette. Quand j'étais à Lubumbashi, il y avait l'ex-DGA, il y a DGDA, mais c'est Carole. Abi Koroto travaille, Moussala Awa. Mais nous voyons que l'importation est considérable. Mais les recettes sont les minimes. Dans le cas, nous avons un bon bivac. Nous avons un CTC, nous avons un matière. Nous avons un mémorandum. Nous avons un mémorandum. Nous avons un tout ce qu'on. En grosso modo, la marchandise importée, la nature, la valeur, les documents d'importation, ce ne sont pas ce que les alliés déclarés. Déclaré. Ça dit, il y a complicité avec la commission anti-fraude. Mais non, les agents de la DGDA. Parce que pourquoi la contrôle a posteriori? Parce que vous avez donné, mais pourquoi pas? Parce que comme nous sommes dans une douane déclarative, pourquoi on a contrôle a priori? Normalement, douane, il fallait zalander, il est toujours déclarative. Donc, il faut être déclaratif. Il faut être déclaratif. Bon, déclaratif. On dit que c'est un bon système. Bon, un bon système déclaratif. Mais il faut donner où il y a doit comprendre en charge. Ils ont donné réel. Mais si ils ont donné erroné, qui est enregistré, ils ont donné erroné. Ils ont donné erroné. Ils ont donné l'État. Comment vous avez donné erroné? Ils ont donné erroné, ce que vous avez dit rapprochement. Il y a vraies données où vous avez payé des transits. Il y a données déclarées. Ce n'est pas la même chose. Il y a un moment maintenant DGI a un problème, il y a aussi un recouvrement, il y a impôts sur bénéfices et profits auprès il y a un importateur. Parce que au moment là, ce aussi un certificat, un billet de recoupement. Au DGD a tenu la DGI. Au moment là on t'a importé biloko, valait peut-être 500 000 euros par exemple. Mais moni avant d'arriver à Mongafu là, adresse moko beaucoup beaucoup d'endroits qu'ils ont raté. Alors maintenant, il y a un problème. C'est que le point n'a pas déclaré bilo qu'on a combo ya mutu. Il faut mutu là ça la configurer le système mais DGDA. Il faut un numéro d'impôt, numéro NIF. Mais mutu pas ça un numéro NIF, c'est la DGI. Bon c'est que DGI dans la pièce ça un numéro NIF, il se base sur quelle pièce? Passeport, importateur, pièce d'identité. Ou bien de Nani, ou bien BL, ou bien LTA. Donc, moi, il y a des complicités, parce que tout le monde se retrouve, mais au détriment de l'État. Alors, il y a des recettes, il y a des douanes, ils ont quitté. Donc l'été est en gaïna yo, naba cours d'eau, tout ce qui est biodiversité pour la mort est en bon là. Non, pour ça est en bon et belé bouté, tout ça est 200 000. 1 million moins 200 000, tu as perdu combien? 800 000. Il y a Bengipé, na poste frontalier, non, na province douanière. Abi biloko en a tindele wana, na tindele 50 000. Combo nango biloko, ebima. Directeur, est-ce peut-être d'envoyer à mon bureau en avion? Bon, voilà. A bien équipé, l'équipe n'est assez, non? A bien bureau en avion, 20 000. Comme on a un bureau en avion, et bim. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour harmoniser valeur et à bureau en avion document? Ils vont tout faucher. Changer bureau en avion pour ne pas comme un niveau en avion. Et l'autre, là, tu es en dessous de 10 000, qu'est-ce que c'est l'État? Donc, l'État joue 1%. Et comment on apprend, non, et qu'on a une construction a posteriori, bah, comment la réalité, mais bien que c'est bimi, ou alors qu'on commette infraction, c'est la marchandise. Mais vous libérez la marchandise, il y a aussi une commission, bien non, bah, ça libère PV, d'infraction en matière douanière et consort, ça c'est pour couvrir. Parce que les. Et ça va être morte. Ou les gars qui est salama, na a priori, bah, on a priori, bah, quand ici, marambouya mabe, bah, bien non, a posteriori. Bah, cachez déjà la suite. Ah, c'est ça le problème. L'État sera perdre mon rébellé. Ça, on a compris. Oui. Alors, c'est-à-dire, il y a possibilité aujourd'hui, on l'a dit, est-ce qu'il faut rester dans la prise de conscience? Est-ce qu'il faut seulement rester dans la sincérité et à la douanier?
ou soit il faut mettre des mécanismes numériques ou bien intelligence monsieur Sogoi qu'on utilisait pour empêcher, pour contrôler mais en même temps empêcher cette pratique l'hémorragie. Na c'est pas une initiative du chef de l'État il a recréé la structure à lutter contre la corruption mais je n'a fini tout tout mais dans le domaine nyonso il y a des experts il y a des gens expérimentés baibi matière wana mais ba biloko ekota na Congo il uta libandati mais ils peuvent créer dans la ambassade non dans la ambassade dans la chef de station dans le pays de pays wana mais on peut faire une fiche d'accompagnement et de renseignement sur les importations et cette fiche là tant que biloko elle est peut-être en Tanzanie. Il y a quand on a RDC, parce que la RDC, c'est le deuxième utilisateur rapport à Tanzanie, en matière d'importation et d'exportation. Alors, maintenant, la fiche là, ce qui m'ont assis, c'est la formalité non sur la transit. Il vient à l'ambassade, à côté chef de station, ou bien un conseiller économique, va tout baser expérimenté, n'a qu'à t'afficher sur la, bah, retient identité à transporteur, identité à chauffeur, bah, les manières sur la frontière, il y a sorti. Document qui accompagne marchandises qui sont à la frontière, les douaniers qui reçoivent le coin, ils acquisent réception. Là, il y a une marge de manœuvre. Il faut que l'on ait la marge de manœuvre. Et ça, le coup là, aux gens là-bas, on a été en d'accord. Banawana, Bakoperana, Sentinelle, n'apporte aussi à la secours et à Sima, à Fungola, à Babimak. Ba voisin, ba informé. Il faut que l'on ait un grand porte. Donc, on a arrêté la marge de manœuvre. Pour ceux qui les lots, on a donné dans le pays de transit. On a comparé, on a donné mise en consommation. Il y a des mondes différents. Vraiment des mondes différents. Ça veut dire que le président de la République a donné un souhait pour le Moussala. On a étudié à Sika. On a formé. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, on a un réseau financier. Ils ont une société à vocation familiale. Mais tellement, moi, je suis remplacé. Alors, aujourd'hui, on a peut-être un directeur. On a un vérificateur. Alors, on a un directeur. On a un directeur. On a un pensionné. Moi, on a un vérificateur. On a une dette morale. On a une opinion. Et là, on a un régime financier. Alors, d'où l'été, il faut s'accaparer dans Yango. Il y a un mécanisme de traçabilité à partir déjà des pays de transit. On a pour rentabiliser la recette douanière. Et comme maintenant, à 70%. Alors maintenant, ce que vous avez dit, c'est que talo na marché. Ils ont dit que mingi bakamati douane et comme le avez dit na bango bache ba perception illicite à l'importation. Bato bakamati ba nani ba nini ba perception na bango ba tie na importation okomona na douane na tango ya kala na tango to na 84 douane zaika na deux taxes droit d'entrée ou zokota na l'état na CCA contribution sur le chiffre d'affaires on a traza ki na palier na ye ou c'est pas ki na palier na ye mais ce montant c'est licence na ye à l'importation. En fait, il y a frais de tarif, mais il y a frais de contrôle. Il y a une pénalité, il y a une pénalité. Mais tant que tu as accueilli, intellectuel, c'est bon. Mais tu as une maîtrise de la réseau financier. Tu as une parlement a voté, tu as cotisé à l'importation. Alors, comme la donne congolaise, c'est du cash. Avant, il faut foutre. Vous devez payer. Pour ma zone d'ombre, ça est belé. Ça est belé au monde à Awa. Au monde à Tango Yakala, Mituka. Pour toujours ça, dans le sens que tu es des chefs de l'État. Il y a des chefs de l'État. Chef de l'État, c'est Azali, symbole, il y a Congo. Ça veut dire que tu es des Congo. Mais le coup, la malobanaïe, ils ont mon beko. Il faut te passer à donner au Singeli. Pour aller et puis ça m'y beko pour mourir tambola. Pour la biloko équité, si le biloko équité, les agnatan ou yakala, tout ce qui est utilitaire, vécu utilitaire, mais le coût à douane, 8,15% à valeur, coût et transport. Mais les lobes, même les véhicules, on a, au coût dans les 70%, dans les 50%. Alors, maintenant, ceux qui sont chefs d'État, bon, voilà,
bo pesangai ba perception oyo ils ont quota na caisse ya l'état peut tout le monde baza ba agent à l'état ba ministre a perso oyo ils ont quota ba poche ya bato mais a elagé yango comme a ko elagé yango ça va lui réconcilier ou encore il y a aussi les liens entre la diaspora c'est-à-dire la zone d'ombre union ils ont profité là on a l'état mais ils ont côté na poche ya bato ils ont côté na poche ni singela qui penza tolo baba kongole bazolanda biso dans un pays responsable ndenge zo sala malio na mikilinyonso et loko nini otoko bando futa pena na douane otoko lo ba ki droit il faut côté na l'état douane pour permettre penza bato motation bien loko a calculer pe douane parce que ailleurs douane ye banaka ah oui motation bien loko azo beta calculer ya douane ye moko 5 ya kene na bureau moko mais biso douane za ko amnda ko nganga il faut que nanu douane moko bando calculer pembeni ezo e banate pour la zone d'ombre nini otoko iko futa officiel na ba proposition na yo en fait nini ko ko za la mabe pour na mboka otoko futa officiel na douane c'est la droit d'entrée droit d'entrée contribution sur le chiffre d'affaires. Donc, il va donc on est TVA, on est allé, mais n'attend wana. Parce que moi, n'attend où il y a premier ministre. Pendant ma bazolo, ma mingi, ma opposant, et conseiller, mais n'attend le premier ministre qu'on attend en premier. Mais TVA, il y a une catégorisation. Il y a 3%, 5%. Mais ba généraliser TVA, il y a 16%. Est-ce qu'on a, il y a un matin, il y a un matin, ou bien quitte. Alors, il y a une perception, ce qu'on a, il y a une perception, il y a ou qu'on soit dégirat des fonds propres. Dégirat des directions générales des recettes administratives de manière et judiciaire et de participation. Et au conseil d'importation, il y a un poto. Il y a une mission officielle, par exemple. Il y a 5 000 dollars. Il y a 5 000 dollars à son montre. Il y a un doigt à l'équipe sans problème. Il y a 800 dollars. Au son montre. Au foutu fret, 1000 dollars, 1800 dollars. Pour le coup, dans le Congo. Mais pour nous dédouaner, vous voyez qu'on fout à DGRAD, vous voyez qu'on fonds propres, vous voyez qu'on fout à DGDA, fonds propres, vous voyez qu'on fout à DGDA, receveur, fonds propres, receveur principal, ou à quoi ça caisse, bon, la caisse à l'État, vous foutez fonds propres, la déclaration. Vous voyez qu'on fout à commerce extérieur, 10%, bon, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on fout à dégérer des investissements? Bon, yo investir. Ou est-ce qu'on fout à l'issue frais contrôle OCC? Bah, fout à frais contrôle OCC, ceux qui nous ont dit qu'on contrôle avant embarquement. Mais pour ça, contrôle avant embarquement, il faut bien qu'on ait atteindre le montant au Rosala, au Rosala, licence. Ou l'on a frais pénalité OCC. Ou est-ce qu'on a TVA OCC, mais à l'importation, na droit à douane. Non, c'est la TVA. Mais la carte est TVA, aussi c'est pas TVA. TVA OCC. Vous voyez, comment il y a rétribution DGDA et partenaire. Oh, il y a une liste qui est en foot. Oui. Mais qui est belé? DGDA et partenaire. Vous voyez, vous avez retenu ANAPI. ANAPI, c'est quoi la commissionnaire à votre entreprise? Il y a ce qu'on a importé, il y a un effet personnel. Vous voyez, vous avez retenu ANAPI. Après, on a pris 98% des 5% des TPI. Voilà, quoi des taxes hein? Or, taxes, nous suivons à la voter dans le Parlement. Oh, le cas basé bon, c'est basé à l'État. Il faut que la caisse à l'État. Au long de l'Iboso, tu as commis la deuxième code des taxes. Droit de douane à l'importation. Ça, c'est le droit à payer. Au commis sous un droit d'accise à l'importation maintenant. On ne paye pas les droits d'accise à l'importation. Bah, droits d'accise, ils allaient bah, société où ils ont importé bah, matière première. Bah, société brassicole, tabacicole et consorts. Tant que bah, ça qu'on fabrique sur place, n'a pris ex-usine, ni bah, foutu bah, droit d'accise. Mais bah, c'est sous droit d'accise à l'importation. Au Longuana, bah, tchè, bon, taxe la valeur ajoutée, là c'est normal parce qu'il y a TVA. Au Longuana, taxe promotion de l'industrie. Mais il y a des promouvoir combien d'industries, je ne sais pas moi. Quand on a un mot, quand on a un mot, on a 1800 dollars. Au long, on a redevance routière. Au long, on a tout quitté ce soir. Oui, on a mis tout à l'assurance trajet, ça ne sert à rien. Commission, je freine, on attend que 0,50% de la valeur SIF. Le coût est normal, 0,50% de la valeur SIF est exonéré. Au long, on a TVA, commission, je freine. TVA, on a TVA, les autres.
au long de l'ensuite bon tant que c'est des insectisations ça ne sert à rien ou alors ça sous redevance rémunératoire et informatique au Mbongwana au moins ne ba installer IFS pour ne pas qui va vous gagner mais là où la vérité pour mokonzi amboka oui asa mokonzi amboka mais nous sommes wana pe asa pe magicien té. Mais il faut besoin de tout comme un magicien pour aller comment ça fonctionne et comment ça fonctionnait et comment ça peut fonctionner. Redevance rémunératoire. Bah créer alors moi comme IFS. Bah ça compte pas les Sud-Africains. Oui non là pour éradiquer les fraudes douanières bah ça IFS pour installer les scanners. Les scanners vont être installés puis ils vont péter. Et ça va nous faire péter. 2% va les recevoir. Qui contrôle ça les robots tongo dikuna oh bah quelqu'un qui tonga ni dikuna nani ni na lufu oh ben abo tous ces consorts non. Comment créer des structures parallèles? Bon, où va cet argent? Bon, mon gars, quand on a quitté l'État, ce qui est à gérer, n'est-ce pas? Pour tout le financement à terrorisme, il y a crime organisé. Mais si le gouvernement ne contrôle pas, bon, ils ont quoi taoui? Mais il y a un problème. Au lieu de voir tout le monde a rémunératoire, bah quoi ça? Mais ils ont quoi IFS? Tout comme il y a ce sous redevance suivi change. T'as pas d'engagé. Suivi change, quoi ça? On a raté n'importe. Kaka muta somai mutu kana mimi misa biloko nyoso sasa oui olongo yawa ele kana bambuma ya chapelé eh olongo yawa redevance retenir suivi change les sous wana babé total assessment ya nini ya ba taxe nyoso à l'importation olongo wana te to longo wana obengi si biloko yakina compagnie maritime non il faut foutre armateur laisser suivre. Ça veut dire que aujourd'hui biloko na yo, ou tiki pa armateur. Au fait il est fretit. Après ça biloko na à destination. Mais pour nous avoir document, il faut bimi ça $1,135. Pour ça document na yo, $1,135. Mais il faut que il fret à repasse au biloko na yo. Et longo wana, ou au fait ta frais ya manutention $1,850. Conteneur ya ya 40 pieds. Mais tant ou ya kala. On attend pendant que vous sanigi wana te. Au longo wana, ou au fait ta ba repère oyo ko futa mairie ba mairie nyonso ba kota na kati oyo ko futa ba taxe ba taxe provinciale donc oyo ko futa mboko ba scanner ouverture donc yé ko alourdir biloko nyonso wana yo monike ata ba beti machine ndenge nini ngwe biloko ekita exacte alors alourdissement wana ndi amane créer ce ko yo coulage des recettes. Ndé to zongi na nzela ya sima yangone boti ba falsification ya ba donné sous évaluation dénaturation tina ba exonération ba to ba kena sima pour ba échapper na makambo kena exonération pour futa ka 2% ya nini ya eloko ayena ngo eloko ayena wa de l'état quoi que c'est entre 1 et 10% yangone singi lokola pe ba konzi ya ba régie financière. DG a za copé sa ba numéro impôt na ba prête non mbé a za ko lela ki a za ko ko ya sur bango té pona sala nani a calculer impôt sur bénéfice et profit d'où yanga to senga na mingi. L'institution la plus sensible c'est la présidence de la République pour la ministre ba yé ba côté biloko wana ti yoko ni mielitsi ba vandeli yango ti pani ba lagé yango té yoto senga ka. Le chef de l'État, il peut créer une structure, son bureau d'études privé. Et ça la constituer naba expert ou bazali na esprit ou ya zanango. Comme ça va accompagner, il y a un dossier qui vient, vous étudiez bon pensez ba ba avis na bino. J'avais salué mais quand je me suis rencontré avec les Dirkaba Wameso. Il a été dit bon voilà, venez vous faire ce travail. Mais compte tenu il y a occupation à bateau, moi toi tout ça bon. Exact. Alors on va arriver. Fraude minière réseau Salamandé. Fraude minière réseau Salamaboy. Pour voilà tout outil na douane. Na tout outil na douane. Chez vous na mine. Fraude minière réseau Salamaboy. Au moins ni mboka nyo sa régie na ba loi. Mais il y a aussi d'autres lois contre nature. Et au Salamandé nini, ngala zu exemple ya oyo na za na ba donné. Et ceux qui n'ont pas besoin, ce n'est pas des gens ou bien des extraterrestres. Ils sont à la côté à DGDA, ils sont à la côté à gestion de la subsistance minière et consort. J'ai un réseau qui travaille aussi avec moi. Et comme moi, je n'ai pas de numéro matriculé, l'État est engagé, je n'ai pas de numéro matriculé, mais vous avez la preuve à l'allégation. Tout.
Non, il n'y a pas d'accord, aux allégations, ça va assertion. Aux anango. Quand j'ai des preuves, quand je parle, moi je parle pas en vain. Quand je parle, j'ai des éléments. Ce que je suis na fraude mieux au Salamandéni. Dans un exemple, na Katanga. Na Katanga, la société minière, basa ko ça la extraction. Pour le bien, la société d'extraction. Parce que une société minière, elle a extraire, à soukoli, puis à sali. À sali peut-être hein à sali peut-être traitement bah, traitement et puis à sali à sali produit fini mais bon on a besoin à quoi extraire maintenant on va quoi extraire bah quoi extraire cuivre tant on va quoi extraire cuivre à l'état pur mais cuivre tant on est bimé à combien majeur mais na kat naie à sa basse sous-produit entre autres oui bien or et cause à na kati transpirer nous devons appeler la cati tout ce que vous connaissez comme la sous-produit oui la thé majeur mais basant sur la caca c'est bango basant sur la caca évaluation na certification y a cuivre attends moi ni bas trace y a bas produit monsieur soit non attends y a quoi y a mais le col là bas corps il n'est pas juste basant prendre compte de la route bango c'est quoi évaluation certification y a cuivre tant que basant sur la yango bas petit certificat mais comment là qui amène l'échantillon? L'opérateur lui-même. L'opérateur, on a payé à Zapena, laboratoire naïe. Et quand il y a 30 tonnes, à quoi un échantillon, ou il y a moins d'un kilo. 100 grammes, 200 grammes, 400 grammes, moins d'un kilo. C'est l'opérateur qui amène l'échantillon. Mais qui veut dire par rapport à la teneur na yango? APC, CEC, après si OCC mais comme on a na ba analyse aussi ça cause à la teneur assez c'est ça cause à la teneur du colon mais bah reprendre en compte déjà de reprendre en compte bah donner à OCC et comme numération dit aujourd'hui on a alors tant que bah ça la évaluation et certification bah tiki bah résultat bah prendre en compte bah résultat bah sous probité bah qui bah c'est après des douanements ça veut dire établissement bah y a pas document des douanements ça veut dire que bah ça dit ça bah foutez moi bah taxe après il peut mener bah tiens la mutuka bah c'est l'opré l'OCC bah c'est l'opré que mutuka boyer c'est l'angle des numéro tel numéro tel numéro tel numéro tel mais au moment on a su quoi na pays de provenance bah comme RDC mais au moment on a pays d'arrivée Tanzanie pays d'arrivée Zambie. Mais bah puis on a ils ont bah destinataire finoté de sorte que celui qui a la frontière très bien et bimé c'est comme dans ma mboka wana bah on est indice ya Congo bah décharger la mituka bah entreposer yango bah reconditionner ça veut dire bah changer emballage bah reconditionner yango certificat na biso et couvrant n'importe quoi ça yo certificat moko et couvrant à l'eau moko bako za ba certificat na biso bako pirater yango et couvrir plusieurs lots au risque pe ba contaminer ba produit na biso pour obtenir des biens bako sala kunate bako za ba produit prohibé ba cotiser ces ape images image ba cotiser pe yango si ko tanga zo normal yo ki Abu Dhabi on veut ki boss pipe na zana ngwa pe songo lo pakal auto maîtriser ba trace nyo so no zana yango. Mais maintenant, comment on a ce que la déclaration ou alors qui passe à la déclaration d'exportation? Parce que la déclaration de transit, il y a 8. Parce que monsieur, il se touche d'origine congolaise. Bon, tant qu'on a pas pays, on a destination finale. À partir de la frontière, ton père de repère. Ok, ton père de repère. Si vous voulez que ce que le traitement, on a un pays, on a séparation, il y a majeur, on a un sous-produit. Oui, bien, terme, on a un sous-produit. Bonus du fondeur, c'est-à-dire au fédé. Donc biso ba congolais to ba milliardaire ça veut dire parce que moni ba sous produit aujourd'hui or aujourd'hui uranium ba pe mosu swana mais le cuivre na valeur non si mais si ko wana ba sous le roi ba extraire ka cuivre c'est ça sans que to ça la traitement ba produit est caché na carte ba sous produit OK ba benyo bonus du fondeur les avoir bénéfice na ba pe au fédé to te na raconte na ngote c'est ça yo ba so ok na Zambie ok na ba Tanzanie on allait ta copa. On a ta gorge, babi de Congo, à ramener ma minère. Ce qui exemple, on a ce que aux hommes, on a ce que bonus du fondeur. Donc, nous perdons, nous manquons cette maîtrise, il y a
de la stabilité. Alors, pour qu'on répare le Kouana, comment faire? Il faut avoir un service étatique. Où ils allaient baser dans le pays du monde. Je vais prendre l'exemple du département extérieur, par exemple. Les gens sont basés partout. Ils ont sous forme une fiche de renseignement. Une fiche de renseignement. Modèle on a ça et tout ça là. Oui, au Colanda, bilan à partir il y a extraction. Tant que Balongoli. Balongoli. Document non sur RDC. Bah quoi signer encore. Na identité à chauffeur. Na numéro à plaque à chauffeur. Na nationalité à transporter. Na pays où il est qu'il a quitté là. Opération à libosso à manipulation. Il sera ma kinde ni. On a service bah récupérer copie. Bah l'andi yango. Il est dans un entrepôt. Il est dans un entrepôt. Et qu'il y a des gens qui ont changé en gros, et qu'il y a un conteneur numéro à sceller, et qu'il y a un pays qui a landé la destination finale. Nous avons l'état de ce qu'on a retracé, ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a un exemple, on a un certificat, on a un certificat d'origine à Congo, où on a un déclaration de la pays, voilà. Oyo déclaration IM8 de transit. Donc, on va accueillir, va changer. Va changer, va tirer le numéro, va contenir la bango. Mais bah, si monsieur se touche, va vivre d'origine congolaise. Donc, il y a une erreur dans la bango. Ils ont une erreur dans la bango. En fait, va tripoter moi, madame la bango, mais au nom de Congo. Au nom de Congo, parce que va tirer déclaration de transit. Va tirer exportation T. Oyo, exemple, on a pensé qu'il y a une nuana, aux hommes, on a Oyo, c'est Oyo, tant que va l'eau. Ou va conteneur ou va tchè, ou va toujours maîtriser en haute. N'a pas destination, n'a pas numéro à conteneur. Et au moment là, qui va salaki nyonso, va yé kolongola, va représentant, y a CEC, ou va zaki ba kote wana, pour na koye ba ko certifié, ba certificat, pour na yézana lié moko, n'a pas l'eau. Donc y a un problème. Donc, aux hommes qui ont payé 1000 yuan, parce que c'est sur la touche, parce que tous ont manqué, maîtrisé, il y a traçabilité. Pourquoi l'État a tenu compte qu'il y a un sous-produit minier? Ils ont par ignorance, ou peut-être ils ont vraiment, d'une manière négociée, bateau, il faut bénéficier d'un go, mais ils ont un circuit, il faut bénéficier d'un go, il y a un sous-produit. Ou bien l'État ignore. Pareil, mais bon, ignorance, l'État vous avez une ignorance. Ils allaient battre pour sacrifier intérêt en boca, peut-être pour la miette. Parce que toute la RDC, c'est une zone minière. Toute la RDC, c'est une zone minière. Alors, si vraiment, moi j'ai eu la chance de rencontrer un honorable député à Kenya, à Tangwana, valorisation minérée à Congo, c'est dans des milliards. Ça veut dire que les Congolais ont 5 millions d'habitants. Les Congolais ont ça raté. Ils ont gagné 1000 dollars par mois pendant 100 ans. Et on commence à avoir un espoir. Et vous allez construire des infrastructures. Mais vous gaspillez ça. Et vous allez bénéficier vos générations futures. Il y a un éboulement de terrain. Il y a une radiation. Je vais prendre cet exemple, Papa Sango. Au moment où exportation encadrée par société industrielle minière. En 2018, en 2018, na Lualaba, 2018. Et bimma dans les combien je peux dire ici, dans le fait document. Nous sommes là. Si je vois tiquer là, parce que nazo kama makambo nazo kama isapasi. Ezo sa pas ma kambo nazo ko. Bandeko bana ba indombe bazo ko na biso. Merci na bino. Pour réagir, on faut pèsa numéro téléphone pour bile bazo 50 numéro na téléphone nazo ka. Bandeko bana ma indombe bolanda biso na Bujala. Merci na bino bandeko bazana ilebo. Bozona na biso pe na muso ko mina Yakoma, ba biso bazana Saint Joseph. Merci na bino. Oui ndeko. Oui ko mona no na kotiki la ko tanga. Dans ma société minière, 2018, la 2018, dans la loi là, il y a PAM. Ok. Aujourd'hui, nombre de l'eau. L'eau, ça veut des camions. La 2018, il y a 37 833 camions. C'est là. À toi, tu es là, mais tu es là. 37 833 camions. 833 camions. Oui.
quoi? 2 milliards. 2 milliards. 0,20 millions. 0,20 millions. 888 000. Ouais. 0,84 kilos. 0,84 kilos. Valeur marchande. 12 milliards. 12 milliards. 465 millions. 465 millions. 323 000. 323 000. 350. 350. En 2018. Si vous combien? Vous avez combien? Tout le monde est-ce qu'on a 3% ou on a 1%? Non, mais il faut combien de entre 3. Attends, 10%, c'est rien. Est-ce qu'ils ont. Mais moi, je suis de l'autre côté. Tout le monde va vivre. Ah, il y a un groupe d'individus. Bon, si vous avez dit que vous avez accompagné un sous-produit, ça veut dire que vous avez 50 milliards par an. Vous avez dit que zone minière. On a créé un fonds minier pour des générations futures. Ils ont 2% de redevance minière. Dans la zone où ils ont exploité les minéraux, en contrepartie, ils ont des hôpitaux, ils ont des infrastructures. Pour les gens qui ont des minéraux, ils 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 ont des minéraux, parce que la redevance minière, ils ont des minéraux pour reconstruire. Ils ont 10% de redevance minière. Mais est-ce qu'ils ont un. Alors, tu as dit que tu as dit que papa Sango. Tu as dit que tu as dit bien, le manque de traçabilité, ce que nous perdons, on appelle ça une partie de la loi. On appelle ça une copie à certificat d'origine, on appelle ça une copie à déclaration de transit. Ils ont un pays où on a un pays, pas changer de destination, on a évité. On a un nombre, on a un lot, on a un reconditionné. Mais quel est le risque qu'on va qui a pourquoi contaminer en gros parce que tu peux pas produire de trop ça c'est bon non RDC bah t'es caca maintenant RDC production gros pas cala oui bien ça ramoquille tu vois non monsieur bien monsieur leur monte oh mais leur monte c'est bien un document oui comment un document oui vous êtes pas la mine c'est ça le problème y a un na macambo est allé minerai on avait proposé chef de l'État politicien azo la boîte moto azana kata boso ka kiti abali ko ba boîte ngope to boka jikutu to komi ka na chance mais boîte ti boîte le bisoti il faut tout éclairer le poyé bazala banane azan moto azan magicien te koyeba ndé to couper sa proposition oyo o binomo ko pesi oui pe na kotisa yango depuis il y a 4 ans il y a création d'une autorité de régulation. Il y a secteur, il y a mine. Autorité de régulation secteur, il y a mine. Il y a un tableau de bord. Il y a chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a un déranger la structure normative. Mais il y a un tel à ceux qui structure où on a un travail dans les normes. Exactement. Et puis, il y a un appel traçabilité à la substance Nabiso depuis évaluation, certification, puis la destination finale. Alors, cette autorité, il y a un des patrons, il y a un autre animateur, il y a un autre. Donc, Azana, bah, Azana, information, non, ça. Il faut Azana, la 3C, commander, contrôler, corriger. À temps réel. Et cette autorité, il travaille à mon côté. Il faut accompagner une police de mine, spéciale de mine. Oui, il faut accompagner. Cette police, vous en avez une, parce qu'il y a eu transit et la minerai d'une province à l'autre. Vous entendez, monsieur, vous avez dit, non, il y a eu là-bas, et il y a peut-être Katanga. Mais on a eu le premier au Cambo. Alors, d'où il faut lier à s'approprier la yam. Nde à cause de la Golanda, biloko nyo soana, parce que même dans le pays, il y a beaucoup de marge de manœuvre, na biloko baza ko extraire, na ba pays, na ba mboko eza na mobulu. Parce que il y a beaucoup de RDCT sans qu'il y ait un document. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. D'abord, arrêter l'hémorragie et évaluation, tout quoi, on s'en va après. C'est ça. Oyo,
nos techniques relatives à la création d'une autorité nationale de régulation et de contrôle des activités minières de la République démocratique du Congo, armée en cycle. Et on a travaillé avec deux personnes. Très bien. Beaucoup de gens. Et quand tu as la présidence. Tu es là suite à la suite. Suite à la ratée. Suite à la ratée, pourquoi? Pourquoi tu as pas parti? Nous sommes réhabilités. Il y a un problème dans le service courrier. FCC cache, oui, tu as beau être. Mais est-ce que tu as un service courrier? Tu as un FCC. Mais ce sont les mêmes gens. Si tu as un courrier dans la présidence, tu as un paraphe dans la date. Et si mon numéro d'enregistrement exacté. Est-ce que contact et que n'a pas pourquoi qu'on réclame que tu gagnes mon canal à référence c'est ça le problème. Oh non, 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 ils ont enregistré pour n'avoir tous ces consorts. Est-ce que ce chant joue un frangé? Est-ce que contact et quand j'étais avec les de Kabawa, mais ce temps on a tout le petit dit n'a ça mémoire n'a pas la côte ici, mais est-ce que contact. Risque d'appeler mon sous-soya ou ma papier à Biloko et l'ambassade à Ndunda. C'est ça le problème. Or, présidence, ils allaient dans deux chemins. Ils ont un chemin à paradis, entrer à paradis, entrer à l'Ifelo. Ça veut dire secret d'État et Kotakawana. Mais est-ce que Biloko ou est-ce qu'il est comac? Pour moi, non. Il faut après trois mois, au sala, au rappel. Mais n'a pas basé n'a pas donné ni. Très bien. N'a numéro ni. Kotwana et c'est lettre je fais la référence. Et c'est Mokonzi Atala bad lettre ou bad adressé na chef de l'État et qui n'a directement na secrétariat ou bien assistant ya chef de l'État. Il y a traité. Et puis après on résumé ni na relax. C'est ça le problème. Mais tout c'est tout est traité par les délicat. Bon c'est pour ça que je dis délicat na traité en face. Et payé pas na yé assistant na ya ça les rapports. Ce qui va côté, il peut travailler même avec un conseil de son choix. Non, mon conseil va peut-être un rapport, mon co. Synthèse. Synthèse. C'est ça, il y a un de tout le bar. Mon conseil, ça va être un temps, il y a un canal qui sauté. Mais bateau, ça va être un synthèse résumé. Résumé. Il y a un débité. Il y a un débité. Débité, ça va être un son. Oh là là. Alors, oui, on a là. N'a pas si yo. Toke siko yo. Toke siko na lo bazo lele. Na ba oyo. Oyo na zui. Oyo na zui yango. Explique nga nano. Abako kabwana na yo. Kama kapo se msanga. Oyo zali. Ne pasi. Na chopo. Oh chopo. Tobo yi ba sida diplomati. Totan la bato yo yebi. Yo ba la lo posopi ya pembe. Ba kwa na ministeri ya mine. Ba zui autorisation de recherche. Ba octroyer bango autorisation de recherche. Baki na cadastre minier après bango ba espace o ba ngoko sala recherche na bango bango e pa bango na par na bango ba même ba drague robot na ba drague robot wana ba komi ko extraire ba komi ko sala ba lengo ba komi ko bimisa ngona contrebande yo mali ki madame me wa biso mama mama non mama e ba ta ba kende kuna ba yiki non moni kuna ba militaire consort ce sont ces gens. Et ceux qui ont dit, oh, ils ont montré la photo. Oui, balengo. Il y a or. Balengo d'or. Ceux qui ont dit, il y a un goyo. Il y a un goyo. Moi, il drague robot. Avec ça, là. Il y a un goyo. Il y a un goyo. Il y a un goyo. Ça va? Oh, Bangoui. Oui. Abattu à Bangoui, Missala. Ah, mais oui. Obé va Kongolé. Ah, oui. Oh, Nyoso. Oui. 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 Ah, oui. Ti et Koumia. Ah. La grave. Il y a un problème. C'est-à-dire, Toloba que Mbongo tozo lelaka, Missalo tozo lelaka. Nous quittons son Zamba Pessibi, je suis en assez à ma belle.
tokoki ko bénéficier nango. Mais oui. Soit to bénéficier nango te za pona nini. Et za pona mauvaise politique ya bakondi. Et za po bato bazana connaissance te to za nini. Pourquoi to za ba bénéficiaire ya nkita na biso moko te. Parce que tout ça d'abord la usine à transformation à terre na mona bilo koneso ke nobeli banda biso to transformer te so komoni bato bazio aloko na ke daka na kibali gold mine tant on a commis na kibali na lukaki na yeba motuna enquête na biso zalagi à qui profite l'or de Durba wolo bi magana Durba wana ils aura profité na nani na ke omona population environnante bazawana na lobino bato ba na misère moko na na mona te yeba na kote la ka parti ya ndebe na yokota na haru na keti na du baba to abandai bazola na ngai basaka bo na oui mai ezalite kura ezalite alors que wolo meilleure qualité wolo deuxième na monde eza ya durba oui mais bato bana mai te bana courante mai o bango ba melaka yuta ka Uganda Kura ezaka molili bana bango na courante cha group na yo bika na ndenge na kura nyo so basali ba shit ezaka na kati ya kibali ngai mo na kindaki na solo na bango pe na kutaki ya population aza ko mona passe tamo na koti na kati ya kibali na solo na bande ko nyoso bazali kuna ba pesi ba makwana ba français na bango mais j'étais curieux na yeba transformation ko bande sika bazoka wolo tie ko mapenda na eta final po bango bazolamba na eta final na bandi otala mabanga bazo buka batambusinga na kibali na ibite précieux soko za la ba image il faut toujours illustrer c'est toujours important to komi kuna mbula kutebeta ka mikolo ango apare na biso ya drone bunga ka likolo to koti na kati na kutena ba kongole bazo sa misala bazo la kisabiso mabanga to kende ko na ibiso ke to ko kota siko na kati ya libulu na se ya mabele 800 mètres na se ya mabele ndeko il faut linga musala na biso ya journaliste ko sala bazo tuna te otanga la ifasi ke te wana te wane komi moto aza serie na honnête serie na honnête okota musala na zui bande ko nango na bango talanga yo na zokota na se ba image ya mwana to na se ya mabele 800 mètres soke bulma e sala mi atokufi secret ya sa mabele tuna Lazare po Lazare nda kuvaka ta biso to koti na kati o toza na se ya mabele a to komi na 500 mètres tozo kitati na 800 mètres na eko koma awa omoni ndeko ya bandeko bazo expliquer nga po bangonde bato ba créer ka bombardement po na kobimisa mabanga oyo bomba bakala kati biso wana to eko kitana se omoni ndeko azo lobo ya mukusu auti ya zana Lubumbashi aza pe maile makasi o zo mono un katange très intelligent yende moto azo bongisa ba bombardement ba sala kana kati biso yi wana to kiti cha to e koko mati esika wolo ezali ozomona ogomona nazo simba pe mabanga yango shiko so e komi na etape finale omoni mabanga o nyozo za mabanga ba mabanga eza sélectionné ba moni présence a or na kati ngai moko na koti na kati ngai wana za na baga ya rouge o nyozo omona mabanga we mabango na kati biloko ezali bako travailler tie komi na suka soka komi na final oui mondele ka ndaya ka wana kungula ya kate la sous produit parce que bazali na aérodrome na bango chaque semaine ke ndaka deux fois e ke ndaka Uganda ezanga ite bango nde balopi bande ko ba dénoncer ba bi mondele mikolonyo so deux fois na semaine mondela ya ka koti sika e loko nae a du biloko akangia koti na vieux mondela ke Uganda a transiter bi mi akenda deux fois na semaine l'état a profité nini population a zoa nini c'est ça à qui profite lors de Durba ne biloko na ngalo kuta kuna oh là là zangai et ça passe bon mokonja mboka zolanda yo mokonja mboka zolanda bakongole bazolanda bakongole bazolanda ndenge toza bo tv za moko bato bazai président nelo kona sepile na ye parce que aza congolais deuxièmement aza kinois Azam on a un grand leader politicien, un grand politicien. Azam a aura wana parce que Bolingo le Congolais linga qui papa Etienne, Bolingo a bâti pas naie. Et si Congolais lingi mutu, ata au pekisiye a oboyate. Troisièmement, avant de peiner poto, amène mon dieu mokilepi ezali, tobuite, azo travaille na batu, a découvrir pe batu. Où tous a besoin, y a tout aidé.
Il y a des gens qualifiés, il y a des gens honnêtes. Il peut créer une équipe. Une équipe de travailler sur les données que nous avons à l'importation, à l'exportation, à l'exploitation de minerais, qu'il ait un travail accompli. Comme ça, permettre à la manette. Pour la manœuvre, il y a une marge de manœuvre. Et là, on a dit que c'est le Cambodja. Il y a à l'Angola toutes les perceptions où ils ont une importance, où ils ont un bon on a caisse à l'état T. À l'Angola, douane, il y a un droit d'entrée. Si vous avez un droit d'entrée, il y a un droit d'entrée. Il y a un droit d'asphyxier. Douane, il y a une victime. Il y a pas autre que dénoncer parce que moi, on autrement exacté. Alors, c'est un peu ça. On a autre que le bas. Ah ouais. À prendre Yango à bras le corps, bilan qu'on quitte. Soit qu'il y a l'envoi, bilan qu'on n'y a pas quitté. Très bien. Au Canada, diaspora, qu'on a montré, on a tenu qui moutou canada, il manque pour Mercedes, moutou canada, il a demandé qu'on fasse 20 000, mais n'a comme qu'on fasse en 8 000. Bah, on m'a brossé les propagandes. Pour plus ça, quoi, ah ouais. Mais ça qui a l'os, il y a 50 dollars. Mais comme il y a 22 dollars. Pour nous, nous sommes là et nous propagande. Pour nous, tout ce que nous regorgeons comme richesse à Congo doit nous causer la terre moteur et développement à Congo. Or, le Congo, nous avons tous les gens qui ont été très bien. Le problème est Zali, mettre tout ce qu'il faut dans le conseil de l'Oiseau Pessa, Ayebi Moussala Wana, Ayebi l'Oiseau Loba. Azo tatonete, azo na assurance pour azo na ba donné Toyoka. Bilangi ko la na mai muta ko la na conseil. Numéro de téléphone. Nous on a téléphone WhatsApp. WhatsApp 097 012 66 58. Donc bandego balingi ba joindre ye azo na WhatsApp. Ezali 097 012 66 58. Ok. 097 012 66 58. Ok. Na bandeli pour na souka 097 012 66 58. So vous bengye na numéro wana komo na ende koko engongolo ilombe azale tu na groupe na ngai na Facebook. Ok. Luttons tous contre le coulage des recettes. Luttons tous contre le coulage des recettes. So baluki on a Facebook on a bamoni. Bamoko bazinga. Na sepeli na tika la expert maison à chaque fois au bosenge zali à ba question liée na makambotali douane to benga kata yo popé Samael. Et ça yo mako yo mako za expert. Te likambozate to bando bengo pe kata. Likambozate to kabola kamwa maele poto longo na mpoti. Na ba ikayo ebombi miso ya kongole. Bazwa makasi parce que moni yo za sango. Tolingi to tout belak. N'habite ingana za honnête. Na makambeta di douane. Ngana za pe acteur. Très bien. Mais il faut que tout belak. Très bien. Mais on y congolais alingi espoir. Sorabi ki richesse ya mboka na ngai za autant. Ba localiser yango. Ba quantifier yango. Ba certifier yango. Ba évaluer yango. Tolingi ki non. Tolingi to tonganzela songolo pakala pona to relier ba province mibale. Président bi ki oui, effectivement, na kwen kuna. Tout dans la réserve, il y a or, ils ont coûté biso, ils ont la valeur, il y a autant. Mais il y a des parce que moni, bah belge, bah pesa biso, bah oh, bah il y a une autre, une indépendance politique, mais économique, qui est en côté. Mais bah, il y a la carte géologique, na biso. Oui, ils allient, bah, c'est quelques jugements. Oui, ils allient, les sites, bah, minéraires, à Congo, ils ont localisé. Ou, bah, il y a un mot, bah, bon, avion, bah, qui t'a ramené, bah, quoi, ah, ouais, bah, quoi, t'as un aliboulou, bah, quoi, bah, juste ça qui m'a rebattu, bah, qui oh, on peut battre. Ils allient. Ils ont un opérateur qui est dans la RDC. On a fait quelque chose à rechercher des places. Ils sont à celle de Kadikuna. Voici ma PC et place à Rokin. Très bien. Oh, il y a d'autres structures. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Elles sont des Français. Nous avons fait des études. Mais il y a un travail en collaboration dans le service géologique
national. Très bien. Vous avez un coffre fort. Merci. Allez, Ndeko, Ndongolo Ilombe, Koko, Matondi Mingi. Merci. Ndengo Zaki Nabiso. Merci Nabino. J'espère que ba Congolais, Bele, ba Sosoli, ba Loba Mingi. Toloba Kaka, Ote, fraude douanière, les Ali, fraude minière, les Ali, Sala, Makandenge, Tozui, quand même, Boyebi. Tozui, Makambango, Tango, Motor, Loba, fraude douanière, To minière, Lingo, Loba Nini. J'espère que place pour Zali, Bo Sosoli. Peloko, Nine, Koiko, Sala, les Temotois sont Beloko, Nae, le Loba Congolais, Bele, Bana Diaspora, Bako Banga. Moto azo ata mwa 10 000 dollars la son babilo kona ya koteka po ba zone d'ombre leki na makambo tali douane. Nde kwa talisi, soki to tenir compte nango, moto yazo futa douane mouke biloko na marché pe koza nango mwenchere. Me soki moto bo nyoko liye pou na okote sa biloko, moto ako subi rezali population da komo na conséquence na makambo wana. Bato mo so ba liye manga, memi ne sali peuple ngayi. Ce n'est pas intéressant. Kimia la mabote tarabino, to kukuta la lobby pour le même plaisir, ou inde kwa? Na ina bakise eloko moko. Eloko moko, ngana kende ye Dubai, jeudi, ya semaine okuna. Na zongi lundi. Na komi aéroport. Moto moko aza wana na set de visite. Ba bagage accompagné ya batu. Douane komi ya ye? Lekisa kuna? Oh, chef alobi ota, sifi ota. Ba lera batu mbongo. Récité, et là, comme on dit, mais bagage accompagné. L'aéroport est en Gili. J'ai dit à ces garçons, n'a pas son gaillot. Comme ça, l'État a tapé guichet à oua. Comment bagage accompagné à moi? Il y a eu aux arbres de consommer la photo. À 20 ans la photo. Mais on va appeler la Sénat de la chaussure. Si, si. On va appeler la Bilamba. Si, si. Bagage accompagné. Ce qui est en fret. C'est autre chose, mais il y a un conteneur, c'est autre chose. Mais bagage accompagné, il y a moto. Ils ont passé. Mais tant que vous avez un billet, vous avez un D23. Non, 3-23. Le roi à Dubaï, ils ont 3-23. Oui. Dans l'Éthiopie, ils ont payé ça 3-23. Oui. Bon, ils ont eu 3-23. Ils ont des bagages. Mais oui. Bagage accompagné. Oh, tiens, l'on a dit, il y a un peu. Non, ce qu'on a garçon, il y a des mokonziti. Donc, on a mon contrôle, on a sa mamie, on a battu à Outi Éthiopie. Pour Baouti Dubaï, le roi la Chine Boizongi, na bato Turquie, des places à Fongola Ramis. Pour bato Baouti États-Unis, bato Baouti France Europe, bato à Kabangote. Pour bazota ka koto bato ako kendo so maman et loco pour te baya nan. Alors que motomuso ko za pas son bibilama ne moka kola. Mais oui. Mais eloko yango so ko zui coup ya voyage ya motuana. Séjour naye ba bien naye. Ça peut dans les 3000 dollars. Exact. Bon ça la bloc à 5000 dollars quel problème. Non, même à ça il a 5000. À côté quand on pété, ba on s'en peut même jour ou pété. Mais ayez quoi aider quand même l'état parce que à côté ne bloc pas c'est bon on a qu'à l'état. Je pense que moi le quand on a gars à l'aéroport on a bâti comme comme on a. Bon on a pas guidé. Aza le lo azo mona zo yoko. Aza l'aéroport. Na ko luka. Ça comme on était dans au salaire pour avoir le bac. Allez toi si pour aller le to kuta la lobby. Kimia na mabota na bino. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.